Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Je suis heureux, chers téléspectateurs, de vous retrouver après 2 mois d'une absence, disons, pour empêchement de santé. Allez, on en restera là et je vais tout de suite vous présenter mon invité pour commencer l'année. Cet invité à qui je présente mes meilleurs voeux, c'est Pierre Jovanovic. Ben, merci à vous Olivier et je vous présente également mes meilleurs voeux, surtout de santé pour vous, ainsi qu'à nos spectateurs, à tous nos téléspectateurs qui sont extrêmement nombreux. Notamment la dernière émission, on était à quasiment 600 000 je crois, je pense qu'on les a dépassés d'ailleurs, avec toutes les autres plateformes. Et vous recevez les gens pour vos signatures en province, c'est un succès extraordinaire. – c'est adorable, je suis très très touché. – Il y a un phénomène Jovanovic. C'est pas tant un phénomène Jovanovic, c'est un phénomène ensemble. C'est-à-dire que comme j'annonce les choses qui arrivent finalement, nos spectateurs veulent nous voir. Hein. – Voilà. Rappelez-vous quand on a fait une signature ensemble à son mur de mémoire. – Voilà. C'était juste avant le Covid. Mais c'était le bonheur, parce qu'on rencontre des gens, c'est des gens que M. Macron ferait bien d'apprendre à connaître. Rien ne vaut la rencontre sur le terrain avec les Français. C'est une certitude. – Alors, chers téléspectateurs, n'oubliez pas le pouce bleu à la suite de cette émission, et puis d'aller sur le tweet de Pierre Jovanovic, c'est Pierre Jovanovic. – Bonsoir, le bon. En un seul mot. Voilà. Donc là, vous aurez toute l'information en continu de ma part. Alors, aujourd'hui. On va commencer l'année 2024 très très fort. En beauté, en compagnie. Enfin, c'est pas nous, c'est les banques, elles commencent très fort. Voilà, en compagnie de nos amis les banques. De nos amis les banquiers fous. Les banquiers fous. Mais alors, très curieusement, il y a d'énormes problèmes dans les banques, mais il n'y a pas encore de suicides. Alors que vous nous avez habitués à des suicides. – attendez, moi j'avais une base de données, littéralement. J'avais recensé à peu près une centaine de banquiers qui étaient morts avec 2 balles dans la tête. – Tirés à bout portant. – Tirés à bout portant et qui se sont pendus derrière. – Oui. – Avec la tronçonneuse. Donc, voilà, ça s'est calmé, mais ça a duré 3-4 ans. Hein. Oui. Rappelez-vous mon enquête à Sienne. – À Sienne, oui. – Sur le directeur de la communication de la Montepaschi. – Montepaschi dit Sienne. – C'était énorme, c'était absolument énorme. – D'ailleurs, elle est en voie d'être rachetée, n'est-ce pas ?– Elle va être rachetée, voilà. – La plus ancienne maison de piété. C'était devenu une banque. C'est une banque pour les pauvres, à la base. C'est une banque pour les pauvres. Pour les pauvres. Là, la Montepaschi, elle a fait très très fort. Elle a été sauvée, je ne sais pas, 3-4 fois. Elle a perdu des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Elle s'est fait escroquer par les Américains, par les Japonais. Elle s'est lancée dans les crédits défaut swap. Enfin bon, on en parle. On va en parler sur les GDS. Mais tiens, justement, commençons très fort. Oui. Commençons très fort pour l'année 2024 avec les crétins de la Banque Postale. Banque Postale. Ça, vous avez été prophète. Je l'ai dit ici, je crois, il y a 2 ans. J'en suis témoin, et nos téléspectateurs sont témoins, vraiment. La Banque Postale tire un trait sur sa French Bank. La French Bank pourrie, parce qu'ils avaient lancé... Déjà, la Banque Postale, c'est une banque de naze, mais en plus, ils avaient lancé une banque vraiment uniquement en ligne. Voilà. Et donc, elle a attendu le 20 décembre... pour annoncer, évidemment c'est pour passer sous les radars, hein, comme d'habitude, la fermeture de sa banque en ligne. Mais 750 000 clients quand même. Oui, alors... 750 000. Alors c'est que des migrants, c'est des travailleurs, des interdits bancaires, enfin je ne sais pas, c'est des meilleurs. D'accord, 750 000 quand même, des retraités, des adolescents. C'est le même profil qu'Orange Bank, grosso modo. Mais justement, Orange Bank est en voie d'être racheté aussi. Orange Bank, un fonds vautour américain. C'est un fonds vautour qui a fait une offre, de mémoire. Je pense que c'est 300. Je pense qu'ils ont fait une propale à 300 millions. Justement, à peine la Banque Postale a-t-elle publié son communiqué de presse le 20 décembre que le fonds de pension américain Ripplewood, qui gère grosso modo 10 milliards de capitaux divers et variés, s'est mis sur les rangs
pour acheter Orange Bank encore moins cher. Voilà, et c'était Reuters qui nous l'avait donné. Alors, il faut profiter de la situation. Ripplewood, c'est comme Cerberus hein, qui a racheté, HSBC France. Oui. C'est des fonds vautours. Oui, oui. Les fonds vautours sont en train de s'emparer de tout ce qui ne marche pas en France. C'est quand même incroyable, quoi. Alors, Ripplewood avait tenté la même chose avec Daewoo. Voilà, vous savez, les lave-linges, les appareils photo, les voitures, enfin, ils font de tout. Et même Toshiba. Ah. Et même Toshiba qui a explosé à cause des crédits défaut swap. Rappelez-vous, ils avaient truandé leur bilan pendant en 2008, ils se sont dit en 2009 on va se refaire, ils ne se sont pas refaits. En 2010, ils ont retruandé leur bilan, ainsi de suite, jusqu'à l'explosion finale. Voilà. Alors, sur les CDS, ils n'ont pas la planche à billets, Toshiba. Hein. Oui, oui. Mais on va revenir sur les CDS. Mais alors, donc, les fonds vautours achètent des banques. Alors là, vous avez été prophète, hein, parce que ici, sur ce plateau, vous l'avez annoncé, Pierre, que aussi bien Orange Bank que la French Bank, c'était du pourri. Bah, c'est du pourri parce que, pour une raison très simple, c'est que les clients qui sont là-dedans n'ont pas d'argent. Voilà. Je veux dire, quand on est banquier, on gagne de l'argent avec des clients qui ont de l'argent. c'est le même syndical, quoi. Non, mais enfin, je sais pas, c'est comme un fromager qui n'a pas de fromage. Enfin, ça n'a pas de sens. Ouais. Ou un fromager qui n'a pas de beurre ou qui n'a pas de crème fraîche. Ouais, voilà. C'est délicat, oui, en effet. C'est délicat. Et c'est bon. Alors, ils se sont dit, on va imiter la N26. Qui, elle, vole les clients, etc. Alors, tiens, Ripplewood a mis la main sur des entreprises en détresse, comme par exemple Danone. Danone, vous savez, c'est les amplifis, machin, etc. Japan Telecom, Columbia Music, The Raiders Digest. Vous vous souvenez de Raiders Digest? Saft, c'est Saft. Vous vous souvenez des piles Saft? C'est une entreprise française qui a été cédée par Alcatel, qui est bien entendu, je ne sais pas si ça existe encore, Saft. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, j'avais des piles Saft Le Clancher ou un truc comme ça. Oui, c'était absolument, on s'en souvient, bien sûr. Voilà. Bon. Et donc, notez que la banque postale, dans sa banque pourrie, la French machin. Mais quelle idée d'appeler ça French Bank en plus hein. On va appeler ça la banque française du coup. Enfin, je sais pas. Bon, passons. Et, ils ont, Banque Postale avait 170 salariés dans sa banque pourrie là. Et alors que Orange, banque en ligne, qui sont encore plus nuls que ils en avaient 700 quand même. Hein. Oui, c'est ce 700. Que j'ai vu. Donc là, il y a un problème. Donc si Banque Postale, avec 170 salariés, n'arrive pas à rentabiliser, ils ont perdu, je crois, de mémoire, c'est peut-être pas ça, mais 200 millions d'euros. Orange Bank, pareil, c'est des pertes à coups de millions. Before Bank, Crédit Agricole. Before Bank, oui. Non, mais Before Bank, c'est drôle parce qu'eux, ils avaient fait la pub. Vous avez le mec qui pilote son avion, le cadre supérieur, tout. Hein, au-dessus, c'est le soleil. Qui valait dans une banque en ligne, etc. Résultat des courses. Aucun cadre supérieur censé n'est allé à Before Bank. Voilà. Et donc, ils ont perdu des centaines de millions depuis 10 ans. Et là, pareil, Before Bank, ils ont refait une pub. Alors maintenant, ça s'adresse aux ados, aux retraités, aux interdits bancaires, et ainsi de suite. Vous voyez, ça ne marche pas. – Ils l'ont rebaptisé Before Bank. – Before Bank, ça non, sans le cas. – Sans le cas, Before Bank, oui, banqueroute. Before banqueroute. Bien vu. Ripplewood, en fait, c'est comme Bernard Tapie. Oui. C'est des Bernard Tapie américains. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Vendre tout ce qui a une valeur, s'en séparer ensuite, ou bien facturer 30 euros par tenue de compte. Autant aller à la BNP qui a encore des agences dans les rues. Voilà. Moi, je dis à tous ceux qui ont. Vous posez, on me dit, quelle est la meilleure banque? Je dis, je répète. Vous en êtes témoin. Oui, j'en suis témoin. C'est la moins pire. La BNP est la moins pire. Voilà. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je le vois avec tous mes lecteurs, tous mes spectateurs, tous ceux qui m'écrivent des mails, etc. La BNP, c'est la moins pire. Voilà. Et c'est la plus lourde. Donc, c'est la meilleure. C'est la plus puissante. Hein. Vous savez que sa taille de bilan est supérieure au PIB français. Hein. Oui. Bah oui. Bah. En même temps, elle a des millions de clients, donc ça me paraît évident. Logique, oui. Hein, ça me paraît logique, ça n'a rien d'exceptionnel en même temps. – Je reviens au fond, votre… – Ce n'est pas les clients de la BNP, ce n'est pas les clients de ma French Banker. On n'est pas dans la même catégorie. – Vous savez quand même qu'en 2017, la BNP était très très présente dans la campagne de M. Macron.
Oui, mais enfin, elle n'était pas la seule. Hein. Non, non, bien sûr. Ouais, attends, ils sont tous énarques là-dedans. Société Générale, BNP, Crédit Agricole. Vous savez très bien que... c'est hein de la connivence. C'est de la connivence. Je ne sais pas. Au fond, vautour. Cerberus, vous dites, a racheté HSBC, mais ne s'appelle pas... Ni Cerberus, ni HSBC. Mais alors Cerberus, voilà, c'est un fonds vautour qui a fait faillite en 2008, qui a été sauvé. Qui a été sauvé par la Fed en 2008, ouais. je m'en souviens très bien. Parce que je l'avais donné dans la revue de presse à l'époque sur la radio ici maintenant. Et Cerberus, donc, HSBC France, HSBC en général, a payé Cerberus pour qu'il rachète HSBC France. Oui. C'est pour vous dire la pourriture que c'était. Les agences. Parce que si vous payez un mec pour qu'il vous rachète votre vélo... Mais c'est ça l'idée. Exactement. Tiens, j'ai une Clio pourrie, tiens, je te paye, je te file 200 millions, tu la rachètes. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait. Oui. Bah, on l'avait donné ici. Oui, absolument, absolument. Mais ils ont trouvé un petit moyen d'envelopper tout ça. Ils ont ressuscité le CCF. Attendez, il y a 750 000 crétins qui ont ouvert un compte à la French Bank. Il y aura autant de gens qui vont passer à côté. Donc HSBC France va devenir Crédit Commercial de France, qui a été exécuté par le gouvernement. Moi, je le rappelle. Il y a déjà longtemps. C'est pas si vieux que ça. Il faut que je regarde dans mes archives. Mais voilà. Mais ils changent de nom. Voilà. Ouais. Alors, vous savez, c'est comme le loup. C'est comme le loup dans la bergerie qui se met à... C'est comme dans le dessin animé avec Tex Avery. Vous savez, le loup qui s'habille en mouton. Toujours. Donc, Cerberus, moi je dis à tous les clients HSBC France, CCF, attention, Cerberus, ils saisissent tout. C'est à la moindre défaillance, ils prennent tout. Voilà. Ouais. C'est leur technique. Voilà. D'accord. Vous êtes rassuré. Alors, tiens, puisqu'on est dans les banques, alors là, on va parler, parce qu'on a parlé des banques pourries, French Bank, machin. Orange Bank. Orange Bank, ouais. Alors, là, on change de catégorie. Là, on est chez les cadres supérieurs et ultra riches. Voilà. Je vous écoute. Alors, écoutez bien. La carte de crédit lancée par Apple est gérée par Goldman Sachs. Oui, oui, oui. Et donc, il y avait un plan d'épargne qui allait avec. Alors, ils n'ont pas lancé à Paris, je crois, en France. Non, mais, ça fait un flop. Bah, avec la montée des taux d'intérêt, bien sûr. Comme ils avaient promis des taux, etc., donc là, ils sont morts. Voilà. Et donc, du coup, Apple a stoppé net la totalité de son activité bancaire en compagnie de Goldman Sachs. C'est-à-dire d'activité bancaire, pour tout le monde. Oui, oui, hein, bien voilà, sûr. Voilà, Goldman Sachs. Pas seulement des placements financiers. Quoi. Pas seulement une banque d'affaires. Ouais. Et alors, donc, à New York comme à Los Angeles, c'était d'un snobisme absolu d'avoir une carte de crédit Apple et Goldman, parce qu'il n'y avait même pas votre nom. Il y avait juste un numéro, c'est tout. Ça vous pose. Exactement. Vous pose. Mais comme Orange, Apple a été obligé de jeter l'éponge et les clients, aussi bien de la pomme que d'Orange, se retrouvent comme des poires, c'est le cas de le dire. Apple ends its credit card collaboration with Goldman Sachs, proposant de terminer le contrat dans les 12 prochains mois. Voilà. Mettre un nom de fruit sur une carte de crédit entraîne, on dirait, une date limite de fraîcheur ou de péremption. Vous voyez comme quoi les mots sont forts. Oui, absolument. Vous voyez, Orange Bank. Bon, la pomme. Il y a une péremption. Ça finit par pourrir. Voilà. Mais on va dire ça comme ça. Il n'y aurait pas une banque qui s'appellerait Banane, non? Non. Banane Bank. Non, il y a les républiques bananières, mais il n'y a pas Banane Bank. D'accord. Ah tiens, puisqu'on est dans une république bananière, j'ai vu un truc complètement fou. Parce qu'on a parlé des aventures des gouverneurs de banque centrale qui étaient mis en prison. Il y en a un qui était. C'est au Burundi. Ah, mais j'ai lu ça. Vous l'avez vu? Oui, j'ai vu, oui. Il a été mis en prison, le malheureux. C'est du 11 décembre. Alors, le gouverneur de la banque centrale du Burundi. Alors, il s'appelle Dieudonné. Oui. C'est drôle. En effet. Dieudonné Murengerantwari a été accusé d'escroquerie, d'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale, de corruption passive, de blanchiment d'argent et de détournement de biens publics. Ça doit être un ancien stagiaire de Riyad Salamé, le gouverneur de la Banque centrale du Liban. C'est votre commentaire, incroyable. En effet. Oui, il a appris chez Riyad Salamé. J'ai jamais vu autant de gouverneurs de banques centrales jeter en prison. C'est complètement dingue.
Alors, il a été nommé mi-2022, mais il n'a pas pu terminer son mandat de 5 ans, car en ce moment même, écoutez bien, il est interrogé. Il y a un ange qui passe en fermant les yeux, tu sais. Il est interrogé par la police secrète du Burundi. Donc, je vois la scène déjà. C'est digne d'un SAS de Gérard de Villiers, je vous le dis. Oui, un peu, oui. Et d'ailleurs, Gérard de Villiers avait écrit un SAS qui se passait au Burundi. Ah ben ça voilà. S'appelle SAS Broie du Noir. Oui, mais en revanche, il est accusé de blanchiment quand même. Je te jure. Un très très bon livre d'ailleurs, SS Broie du Noir, qui pourrait pas être écrit aujourd'hui parce que alors là il aurait 25 procès, etc. Alors qu'il raconte en fait ce qui se passe sur le terrain. Il a écrit ça en 66, quoi, 67. C'est pas jeune. on continue sur les banques? Non, mais attends, tiens, j'ai un exemple, tiens. Cela rappelle une description de Gérard de Villiers qui s'était rendu dans les années 60 à Bujumbura. Pour écrire donc SAS Broie du Noir. Je vous dis que c'est un monde de dingue. N'importe quoi peut arriver. Les types qui ont pris le pouvoir sont à moitié analphabètes, grisés de leur puissance et totalement incapables. Comment en plus le pays est divisé en deux tribus? Oui, écoutez bien, les Tutsis et les Hutus. Et les Hutus. Hein, oui, déjà on sait c'était. C'est ce que ça a donné. Voilà. Qui se haïssent, la pagaille est à son comble. Tout se passe bien, ils seront retournés au Moyen-Âge d'ici une dizaine d'années. Eh bien, mon cher Gérard, non. Le Burundi s'est modernisé, puisque j'ai trouvé le site internet de la Banque centrale du Burundi. Oui. Donc, ils ont internet. Précisons quand même que ce pays est toujours le plus pauvre au monde, hélas, avec 75% de ses 12 millions d'habitants sous le seuil international de pauvreté. Comme quoi, 60 ans plus tard, aucun véritable progrès n'a été réalisé par leurs hommes politiques totalement corrompus, bien entendu. Enfin, corrompus par l'Occident, récupérer leurs matières premières, d'habitude. Non. Et une épouvantable guerre civile entre les deux peuples, qui a fait des millions de morts. Oui. Général Tauzin était aux premières loges, là. Ouais. On salue le général Tauzin, qui était votre invité, je crois, ou celui de Martial. Voulez-vous que nous revenions encore banques ? Sur les banques, parce qu'il y a encore du biscuit. Je vois, par exemple, que les banques françaises ont fermé 3500 agences et 14 000 DAB. Or, ils ont réussi ce coup fumant que vous nous enseignez dans votre avis de presse. On l'avait donné, nous, ici, il y a 2 ans. Je me souviens très bien. Vous vous souvenez, les maires qui se plaignaient qu'il n'y avait plus de distributeurs, etc. C'est ça le bilan. En douce, les banques françaises ont fermé 3500 agences et 14 000 distributeurs. Ouais. Donc, on voit bien que la finalité de Davos, ils appliquent, les banquiers appliquent le plan Davos, suppression de l'argent liquide. Voilà. C'est ce qu'ils veulent. Oui, mais il y a une subtilité. Oui, mais il y a une subtilité supplémentaires. Allez-y. Vous le dites dans votre revue de presse. Elles ont réussi à faire payer les DAB par les mairies, parce que les maires sont alertés par leurs mandants qui disent « Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir du liquide ?» Or, dans les campagnes, on sait que le liquide est très utilisé. Mais bien sûr. Très demandé. Mais évidemment. Très, très demandé. Mais il n'y a que dans les capitales. Et attends, je ne sais pas si c'est dans cet article-là ou dans un autre. Le maire, voilà, c'est à Le Mazet Sainte-Voix, a été victime de ces suppressions en ce début d'année. Le maire, M. Alain Debarre, explique, fin mai, la direction locale de La Poste, ces enfoirés de La Poste, viennent de m'apprendre que le distributeur n'est plus aux normes et plus aux normes. Non mais banque postale de pourri, vous n'avez pas honte. Ça se change. Attends, allez en Turquie, on en a déjà parlé. On va mettre une photo là de mon reportage en Turquie. Vous avez tous les 100 mètres, vous avez 20 distributeurs à la lignée les uns à côté des autres. Et j'en témoigne. Notre autocar arrive en plein cœur de l'Anatolie. Dans le désert, il y avait 20 distributeurs. Non, c'était dans le Taurus. C'était dans le Taurus encore. Oui, avant d'arriver. C'est l'idée. Bon, en pleine montagne, toute petite station d'essence, vous aviez 10 distributeurs de billets. Et voilà, imaginez 10 distributeurs de billets dans les stations Total ou Elf au bord des autoroutes françaises. Enfin, c'est à peine s'il y en a un. Oui, mais attention, n'oubliez pas, maintenant, les banques font payer les mairies pour maintenir les DAB. Est-ce que vous avez le chiffre? Oui, j'ai le chiffre. Alors, je crois qu'ils ont facturé 50 000 euros le distributeur, rien que ça, alors que ça coûte 3 000 euros, 4 000 euros.
Et puis... Là, ils abusent, là. Ouais. Ils abusent. Et ensuite, ils prennent un pourcentage... Ils prennent un pourcentage sur... Sur les demandes. Oui, alors j'arrive pas à retrouver parce qu'il y en a... j'ai tellement écrit là-dessus que... Alors, ça, pour nos spectateurs, ça, c'est du 27 au 30 novembre. Voilà. Donc vous avez ça dans les archives ou encore sur la revue de presse quotidienne. Ah non, c'est dans la revue de presse, je l'ai vu dans la revue de presse. Oui, alors, non mais ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif final étant de zéro agence. Argent digital ou sans contact et uniquement des applications. Seuls les ultra-riches auront une vraie agence à leur disposition, comme à l'époque de Balzac ou de Zola. Ouais. Ne pas oublier, moi, je suis journaliste informatique à la base. Et c'est grâce à ma spécialité que j'ai rencontré tous les banquiers, parce que les banquiers, c'est eux qui achetaient le plus grand nombre d'ordinateurs. Banque, c'est quoi? C'est une suite d'additions et de soustractions et de multiplications. Hein, bah, voilà. Donc c'est eux qui ont fait tourner l'industrie informatique. Bien sûr. Voilà. C'est à l'époque de Zola, quand il a écrit l'argent, une banque comme la Banque Rothschild, par exemple, de l'époque, ils avaient, je ne sais pas, genre 200, 300 aides-comptables qui passaient leur temps à faire des calculs. Sur des grosses coupures. Et sur des grosses coupures, absolument. Qui avaient leur équivalent en or. Exactement. Mais les petites coupures avaient leur équivalent en argent. On en reparlera d'ailleurs. Alors, donc... Alors, justement, je finis là-dessus, parce que notre lecteur Patrice nous dit, ce qui est génial, parce qu'on le voit sur le site de Thalès, c'est qu'ils affirment de nous demander notre avis. Alors, ça n'a pas de sens. D'ici 2024, l'ensemble des États membres de l'Union européenne doivent offrir à tous leurs citoyens qui en exprimeront le souhait. Oui. Bah, t'as raison. Un portefeuille numérique regroupant tous les documents d'identité, appelé Digital Identity Wallet. J'en parle depuis 4 ans de ça. Oui, bien sûr. Attends, le monde m'a mis en complotiste, en je sais pas quoi, en fabricant de fausses news parce que j'avais annoncé ça en 2017. Oui. Donc, voilà, et là, maintenant, c'est partout. Et vous savez qui a conçu ce programme? La société Atos. Oui, et qui appartient... M. Breton, dont M. Thierry Breton était le PDG. Le PDG, il est maintenant commissaire européen. Voilà. Il ne sait pas du conflit. Et Atos a été vendu aux Américains, ou est sur le point d'être vendu, de mémoire. Et ce n'est pas du conflit d'intérêts, ça? Bah, si, à peine. C'est un petit peu, quoi. Un tout petit peu. Voilà. Non, mais vous vous rendez compte? Alors, cet article souligne les objectifs et les ambitions d'une nouvelle European Digital Identity Wallet. Wallet, c'est le portefeuille. Oui, portefeuille. Transfrontalier. Écoutez oui, bien. Sûr. Ah oui, parce que c'est important, si on va en Belgique, qu'on puisse l'utiliser. Ainsi que les avantages qu'il offre aux citoyens, aux gouvernements, blabla. Nous expliquons également qui sont les responsables, patati, patata. Alors voilà, si, chers spectateurs, si vous aviez encore des doutes sur là où ils veulent nous emmener, c'est la preuve finale. Et 14 000 DAB de supprimés en France. Ouais. Et 3500 agences. Et c'est la même chose en Angleterre. Bien sûr. On n'a pas, depuis des années, on donne à toutes les agences qui ferment. Et aux États-Unis, l'équivalent de cette monnaie numérique et de ce passeport numérique sur lequel on aura tout, notre identité, notre état sanitaire, ça s'appelle le MOSIP. Enfin, c'est la banque, la société indienne financée par M. Bill Gates qui met au point aussi ce passeport numérique. Bah, j'en ai parlé. C'est Thalès qui fournit le logiciel. Tiens, regardez un autre article qui date du 27 novembre. Raiffeisen Bank a fermé toutes ses agences. Voilà. C'est notre lecteur Didier, là, qui vit en Allemagne. Il dit elle ferme toutes ses agences, son siège social, ses distributeurs de billets par manque de clientèle au guichet. 2 clients par jour et par agence. Si je comprends bien, ne subsisteront que les paiements par carte et par virement. Voilà. Et le magazine Bild, donc alors c'est l'équivalent de Nouvel Obs allemand, de Bild, donc on salue Martial. rien à voir. Rien à voir, mais quand même si. Est-ce la fin de l'argent liquide? Voilà. Bild. Oui. Bild dit ce que j'ai dit en 2017. Oui. Voilà. Depuis 6 ans, 7 ans. Mais vous voyez quel point le quotidien Le Monde est une bande de pourriture. C'est une bande de pourriture. Ce problème du liquide, disant, fake news. À mon avis, va susciter une formidable révolte en France. Parce que ce n'est pas possible que les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les ménages modestes ne puissent pas continuer à utiliser l'argent liquide. C'est une atteinte à la liberté et aussi un moyen de contrôle des populations, parce que dès lors que vous payez par carte, vous êtes repérable. Mais si vous payez en liquide, bon,
Bah, évidemment. Tiens, regardez. De toute façon, là, les banques, elles sont très très mal, par définition. Je vous donne celle-là, par exemple. Là, on est en Suisse. Voilà. Bon. L'UBS. On est en Suisse. Hein. Voilà, on n'est pas chez les pauvres. Non. Voilà. Eh bien, c'est une banque privée avec 80 salariés et des actifs estimés à 5 milliards de francs suisses et qui est cotée au SIX de Zurich. Oui, qui, du jour au lendemain, a décidé de se retirer de la bourse. Ce qui est très curieux, sachant que cet établissement est déjà le résultat de diverses fusions, c'est-à-dire de banques qui ont fait faillite, donc qui ont fusionné avec celles qui n'étaient pas, et ainsi de suite. Donc, banque Benedict Hensch, devenue Geneva Swiss Bank, puis avec la banque Arner, puis avec One Swiss. Et voici 2 ans, la banque Profil de gestion créée en 64 à Genève avait également fusionné avec One Swiss Bank. Donc vous voyez que la chaîne alimentaire bancaire, en fait, c'est la pyramide à l'envers. Quoi. Oui. Là, bientôt, il ne restera plus qu'une seule banque. C'est l'entonnoir. Et, exactement. Quand deux banques fusionnent, cela veut dire que l'une d'elles est morte, techniquement. Et donc, la loi Jovanovic. Alors, c'est pas moi qui me suis surnommé la loi Jovanovic, c'est Idriss Aberkan qui voilà. Elle est plus active que jamais, parce que d'une part, c'est moi qui l'ai montré, déjà. C'est bon. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, non, mais. J'ai toujours dit, vous ne pouvez pas tromper les traders de votre propre banque. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et l'action de la Swiss Bank qui valait 15 francs en 2007, aujourd'hui, elle dépasse à peine les 3 francs, soit une baisse de 80%. Voilà. Ça, c'est la loi Jovanovic. Donc, ça veut dire que c'est une banque qui était en grave difficulté et qui pour ne pas publier ses comptes. Oui bien sûr. Parce qu'elle décide de sortir de l'indice. Exactement. Voilà. Du coup, elle sort de la bourse. Le SIXT, c'est le CAC 40 suisse. C'est ça. Donc l'action a été suspendue vendredi, donc là c'était le 15 novembre. Voilà. Et cela à la demande de la banque elle-même et jusqu'à nouvel ordre. Ouais, puisqu'on est en Suisse, que devient l'UBS? Parce qu'il semblerait qu'il y ait des petits soucis de ce côté-là à la suite du rachat du Crédit Suisse. Ah, mais l'UBS, ils ont des soucis, mais de toute façon, l'UBS était en grave difficulté. Crédit Suisse était en très très grave difficulté. Et comme je l'ai toujours dit, si... C'est comme à la guerre, en fait. Si il ne reste plus que 2 soldats, hein, un dans chaque camp, hein, celui qui descend l'autre a gagné la bataille. Voilà. Et c'est le cas pour UBS. Crédit Suisse est mouru, donc il a tout récupéré. Mais ce n'est pas parce que deux banques en faillite fusionnent que ça fait une banque qui gagne de l'argent. Ce n'est pas la JP Morgan. C'est pas compliqué. Alors justement, puisqu'on en parle, regardez, alors attends, qu'est-ce que j'ai vu? Vous avez aussi le... ING, voilà, ING Allemagne. A trouvé une taxe pour ses clients. ING Allemagne, oui, il y a ça. C'est un crayon, mais incroyable. Écoutez bien, pourquoi elle a trouvé cette taxe? Regardez, ING a perdu des milliards. Pour comprendre l'information précédente, notre lecteur, M. Lallier, qu'on remercie, a vu que ING Allemagne... Donc, rien que cette filiale pays, c'est énorme, hein, c'est en Allemagne, c'est pas au Liechtenstein. Voilà, elle a perdu 5,7 milliards d'euros. Et comment elle se refait? 6 milliards. Elle a perdu 6 milliards. Et comment se refait-elle? Alors, en taxant les clients, c'est-à-dire qu'elle a dit à ses clients, les entreprises, alors nous devons vérifier si vous ne faites pas du blanchiment d'argent, c'est 500 euros. Vous avez l'info? Oui, 500 euros pour lutter contre le blanchiment. Ça doit être là sur les entreprises. 500 euros, juste pour voir si vous ne blanchissez pas. Ouais. C'est abusé, quoi. Est-ce que ce n'est pas le boulot de la banque, justement? Mais si, c'est le boulot de la banque. Le boulot de banque. Général... C'est comme si vous allez chez le coiffeur, et que le coiffeur, à un moment donné, tiens, j'ai besoin d'une lame spéciale pour vous faire la barbe. C'est 50 euros. C'est la même chose. Oui. C'est 50 euros si vous voulez que j'utilise. Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix parce que. Donc c'est 50 euros de plus. Sauf que ni vous ni moi ne sommes très bons clients du coiffeur. Moi, si, j'y vais de temps en temps. Oui, c'est pour la barbe. En tant que défavorisé capillaire. Oui, mais moi, ça ne me dérange pas. J'ai toujours assumé. Moi non plus. Ça me fait toujours rire quand je vois les gens, vous savez, qui sont avec une moumoute. Non, mais ils sont à la télé, ils sont avec une moumoute. L'autre jour, j'en ai vu un. On voyait vraiment, dès qu'il bougeait la tête, on voyait la moumoute. elle était mal accrochée. Ça ne suivait pas. Vous savez, c'est un peu comme les doublages de films étrangers. Vous savez, quand il y a un décalage entre. Alors, pour en finir avec les banques,
qu'est-ce qu'il y a encore? Ah bah tiens, tiens, Société Générale. Bah oui, je voulais en parler, vous les mettant. Bah j'adore la Société Générale. Ouais. La Société... Attends, ils ont choisi un Slavomir Krupa. C'est le nouveau directeur. Ils lui ont refilé le bébé. Voilà. Oui, c'est ça. Ils lui ont refilé le bébé. J'ai l'impression que c'est pas un cadeau. C'est pas un énarque. Hein, c'est pas un polytechnicien, donc c'est parfait, le bon client pour que éventuellement ça explose et ils vont tout lui mettre sur le dos. Indépendamment du fait que la Société Générale est complètement en ruine. Elle vend ses en ruine. Mais elle avait tout vendu. Voilà. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez 500 000, 1 million, 2 millions, barrez-vous, partez. Allez à la BNP. Voilà. Tiens, je vous lis, regardez. Oui, oui, alors allez-y, oui. Les nuages s'accumulent pour Slavomir Krupa, le pauvre nouveau PDG de la Société Générale, obligé de vendre le peu de participation qui lui reste, sachant que 90% ont déjà été vendus. Et vous et moi, on l'a donné depuis des années, tout ce que la Société Générale a vendu. Mais bientôt, ils vont vendre leur slip, la Société Générale. Et sans compter qu'elle avait perdu aussi la banque russe. Tiens, écoutez bien, tout à l'heure on était au Burundi. Attends. Ouais. Sogen a accepté de se retirer de diverses unités africaines et a révélé qu'elle céderait ses parts dans ses unités au Burkina Faso et au Mozambique au groupe Vista. Voilà. Monsieur Krupa envisage également de vendre des actifs de financement à la consommation en dehors de la France. Voilà. Et ensuite, la SG va vendre SGEF. 1400 salariés, Société Générale Security Services, ainsi que ses banques privées anglaises Kleinwort Ambrose, rachetées en 98, et une filiale qu'elle a en Suisse. Alors, comment il s'appelle celle-là? Alors, j'ai pas de détails. Ouais, j'ai oublié, c'est peut-être plus loin. Enfin, bon, bref, elle a tout vendu. Elle a déjà vendu de ses unités au Congo, en Guinée équatoriale, en Mauritanie, au Tchad, plutôt cette année. Voilà. Donc, ils sont en train de tout vendre. Société Générale vend tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a besoin de liquidités absolument phénoménales parce que la BCE va l'obliger à remonter son tiers machin bidule, etc. Et donc, ils font les fonds de tiroir, littéralement. Ouais, ouais, ça, pour vendre les trucs africains, non, mais ils en sont là. Alors, donc, non, mais je le dis aux chefs d'entreprise, très sérieusement, si vous êtes à la Société Générale, partez. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, ils vont bloquer. C'est-à-dire qu'en fait, vous voudrez payer des entreprises, alors c'est des montants importants, ils vont vous prendre la tête. Veuillez justifier pourquoi vous les payez. Nous voulons voir tous vos documents d'exportation et patati et patata. Nous voulons savoir qui est votre client, est-ce qu'il blanchit de l'argent. Si vous payez un mec en Afrique ou aux États-Unis ou aux Caraïbes, Dieu seul sait où, mais votre virement, il va prendre 3 ans. Mais j'ai des exemples de chefs d'entreprise qui m'ont écrit là-dessus. Alors, Pierre, nous allons bientôt clore cette rubrique sur les banques avant d'aborder une autre rubrique, mais je voudrais finir sur quand même la Barclays. Mais justement, c'était sur Bloomberg, c'est pas... L'agence Bloomberg, hein, généralement exactement, très fiable. Exactement, et ça date, si vous voulez vérifier, c'est du 11 décembre de 2023, voilà. Ils vendent tout, voilà. Ouais. Alors, on va finir de façon... La Barclays. Sur la Barclays, qui a licencié des milliers de salariés. Alors, vous avez raison d'en parler, parce que... Plus d'agences, plus de DAB, mais un camion itinérant... de la Barclays, qui s'est installée, devinez où, chers téléspectateurs, à côté d'un cimetière. – Dans le cimetière ?– Dans le cimetière. – Dans le cimetière. – D'accord, dans le cimetière. – Racontez-nous ça, mais c'est invraisemblable. – C'est-à-dire que Barclays, qui fait comme les banques françaises, donc ils ont fermé je ne sais pas combien d'agences, des milliers d'agences, et donc les villes, genre 5 000, 6 000 habitants, donc n'ont plus d'agences. Ouais. Alors, il fallait quand même que les gens puissent déposer leurs chèques, les coiffeurs, les machins, blablabla. Ouais. Et donc, ils ont trouvé le camion. Vous savez, le camion comme le boulanger itinérant dans les Alpes, etc. Et donc, ils se sont installés dans le cimetière parce que l'ancienne agence qui a été fermée 15 jours avant était juste en face. Ah, oui, était juste en face. Voilà pourquoi ils se sont installés dans le cimetière. Et le Daily Mail en a fait des gorges chaudes, évidemment. Bah, oui, pardonnez-moi, mais c'est mauvais signe. Mais c'est très, très mauvais signe. Et attendez. Hier... lundi après-midi, après avoir mis en ligne la revue de presse à 8h20, je vois arriver une dépêche à 15h, Barclays Bank licencie 5 000 personnes, d'un seul coup.
Alors, et ça, pour moi, c'est du jamais vu. Parce que, en général, la banque prévoit, elle fait ça au 20 décembre. Comme, oui, pour passer sous les radars. Oui, oui. Entre le 20, le 21, 22, 23 ou le 30. Ou le 15 août. Ou le 15 août. Ou le 3 janvier. Oui. Hein, voilà, voilà. Vous le savez bien. Mais là, c'était avant-hier. Donc, ça veut dire qu'ils sont arrivés, ils ont fait de nouvelles projections. Ça sent roussi. Et ça sent très, très mauvais, ça sent le roussi pour l'année 2024. Ça veut dire que la banque pense qu'elle est en faillite et donc il fallait se délester immédiatement de 5000 personnes juste pour tenir le coup. Oui. Autrement, c'est la nationalisation comme ça a été fait pour la banque Northridge en 2008. North quelque chose. Oui, ça m'échappe de nouveau. North Star, je crois que c'est North Star à Londres. Oui. Mais je me souviens, on avait la télévision anglaise faisait des c'était en direct, il y avait 500, 600 personnes qui faisaient la queue, il y avait une file indienne comme ça qui allait sur 2 kilomètres parce que les gens voulaient récupérer leur argent. Et Barclays Bank est dans cet état-là. Ouais. Déjà, Barclays Bank, ils avaient fait des magouilles pas possibles. Ils sont allés vendre des bouts de capital à des Saoudiens qui eux-mêmes ont revendu leur part et qu'ils ont racheté encore plus cher. Enfin, c'était des magouilles absolument invraisemblables. C'est la banque la plus magouilleuse d'Angleterre, c'est clair. Eh bien, sur ces considérations magouilleuses, nous allons faire une pause, mon cher Pierre, pour aborder… Oh – ben, les banques, elles ne vont pas faire de pause, hein, je vous le dis. – Non, hein. Non. Ça, c'est clair. Voilà, donc on salue tous les clients de la MaFrench Bank Postale, hein, qui sont mourus. Donc, ils vont se retrouver à la banque postale. Oui. Je ne sais pas s'ils gagnent au change, hein, dans l'absolu. Et Orange Bank, bon, on pourra toujours leur porter des oranges. Ben, exactement, ouais. Enfin, mais Orange Bank, ils sont... Donc s'ils sont rachetés par Ripplewood, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je ne sais pas comment ils vont gagner de l'argent, parce que Orange Bank, ce n'était pas une banque. En fait, ils faisaient des prêts aux gens pour qu'ils puissent acheter un téléphone. Oui, vous parlez d'une banque. Ah oui, évidemment, parce que par ailleurs… Bah, Orange Bank. Oui, bien sûr. Mais vous savez pourquoi Orange a lancé ça? Non. Vous allez nous lire. Parce qu'ils étaient en faillite. Là, Orange Télécom, hein. Oui. Ils étaient en faillite. Donc, ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut trouver la solution pour qu'on se prête de l'argent? Ah ben, on va lancer une banque. Voilà. Voilà. Ils se sont lancés une banque et ils ont pensé qu'ils pourraient ramener tous leurs clients dans cette banque. Ils se sont ramassés. Ouais. Et du coup, bah, ils sont dans la mouise la plus totale. Voilà. Pause. Pause. Chers téléspectateurs, en compagnie de Pierre Jovanovic, nous allons continuer d'explorer la planète financière qui ne va pas très bien, il faut bien en convenir. On était sur les banques. Ah ben, Pierre, vous aviez des choses voilà, à nous je dire voulais ajouter encore. Parce que, voilà, il y avait cette dépêche-là qui était restée. Alors, c'était du 27 novembre. Oui. Hein, et regardez bien, cela se passe toujours jeudi soir ou bien vendredi après-midi quand les grandes banques annoncent des licenciements. En cette fin novembre 2023, année misérable s'il en est, Barclays Bank et la Lloyds ont annoncé à quelques 4500 salariés, et juste avant Noël, qu'ils vont être virés, comme dans le film Margin Call. Et je ne parle même pas de la City américaine qui a sabré 300 hauts cadres dirigeants de plus, ce qui met le nombre de virés juste en 2 jours à 5000. Voilà. Alors, vous voyez, regardez, Barclays Bank a fait un licenciement fin novembre. Et là, on recommence le 3 janvier. Donc aujourd'hui, on est le 10, donc c'était le 8. Ouais. Le 8 janvier, ils ont viré 5000 de plus. Donc, ouais. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. En fait, on le voit bien. Alors, les banquiers ne sont pas idiots, ils font quand même des calculs. C'est le seul truc qu'ils savent faire à peu près correctement. Alors, mais c'est quoi? C'est l'immobilier chinois? C'est un ensemble, c'est l'immobilier surtout. Ouais. Je pense que l'immobilier commercial est dans un... Parlez-nous un peu d'immobilier commercial, parce que quand même, ça ne va pas bien. En Chine, notamment. Bah, tiens, regardez. Barclays déclare à Reuters qu'il travaille sur des plans pour économiser jusqu'à 1 milliard de livres. Ce qui pourrait impliquer la suppression de 2000 emplois. Ouais. À l'époque, ils supposaient 2000. En fait, ils en ont fait 5. Ouais. Donc ça ne va pas. Ouais. Donc 2024, la projection pour eux est très, très mauvaise. Et d'ailleurs, j'ai une info là-dessus. Oui. Attends. J'ai une info, mais je ne sais pas où je la mise. Vous aimez bien les banques. Hein. Oh là là. Mais ce n'est pas que j'aime les banques. J'ai grandi, entre guillemets, avec elles, parce que je les ai fréquentées. Parce qu'ils nous convoquaient gentiment pour nous expliquer qu'ils avaient acheté le dernier IBM, le dernier digital, des super ordinateurs. Les premiers ordinateurs, c'était eux. Les plus gros ordinateurs, ils étaient très fiers. Hein, comme la météorologie nationale qui nous expliquait qu'ils avaient le dernier bulle et ainsi de suite. Vous voyez, c'est le Fuji.
Fujitsu, hein, ouais. les supercalculateurs AT&T ouais. Transactionnels. Qui occupaient une pièce entière. Exactement. Voilà, maintenant, la puissance des ordinateurs de l'époque, vous l'avez dans votre smartphone. C'est quand même incroyable. Mais moi, j'ai un fait pour le IBM Z14. Ah oui, mais alors ça, le IBM Z14, vous allez le voir, c'est toujours une armoire. Hein. C'est une armoire, mais… Ça fait 2 milliards, je crois que ça fait 2 milliards de transactions de par seconde, ou un truc de ouf. Les moins de 30 ans ou de 40 ans ne peuvent pas connaître. Exactement. Oui, exactement. Alors, dites-moi, vous avez une rubrique qui va nous amener sur la deuxième partie, sur la situation mondiale en général de l'économie. C'est, vous l'intitulez « L'océan est toujours en retrait en ce début 2024 ». Ah oui. Ça me paraît intéressant parce que c'est l'océan des liquidités. C'est-à-dire que les banques sont… Ce qui explique tout ça. On en a parlé ensemble dans notre dernière revue de presse, mais rien n'a changé. C'est la mer se retire, c'est l'absence de liquidité. La mer s'est retirée après l'explosion des banques. Des banques américaines. Avril et mai, cinq banques américaines, Crédit Suisse. Et donc, alors vous dites, c'est pas la fuite à Varennes, c'est la fuite à Zurich ou à Genève. c'est tout à fait ça, oui. C'est aussi la fuite à Abu Dhabi. C'est la fuite à Gamelan, à Abu Dhabi, oui. Abu Dhabi devient la Suisse. Avec c'est devenu la chaleur en plus. Quoi. Le nouveau. Voilà, et c'est neutre. Ils sont neutres. Oui. Bon. Bah, ils sont neutres. Les Suisses, ils ont dit on va geler les biens des oligarques russes. Ils ont perdu leur neutralité. Bah, voilà. Donc, du coup, Crédit Suisse a explosé. Bah, voilà. Parce que du coup, tous les autres se sont dit « Ah bah attends, là, s'ils commencent à faire de la morale, machin… » Alors que les Suisses, c'était pas les derniers à voler les Juifs pendant la guerre, hein, je le rappelle Il y a l'histoire de l'ambassadrice américaine qui a découvert sur la liste, il y a 10 ans de ça, elle découvre le nom de sa mère. Oui. Qu'elle avait de l'argent sur le compte alors qu'elle ne le savait même pas. Oui. Les banques suisses sont… Enfin bon. Bon. Mais ceci est… Ne nous regarde pas. L'argent n'a pas d'odeur, sauf que maintenant, elle va sentir un peu le pétrole quand même, ou le gaz. Oui, mais… tiens, Mike Maloney. Il y a deux journalistes. Il y a Tucker Carlson, que vous appréciez beaucoup. Oui, c'est très important. Très important et Mike Maloney. Alors, Tucker Carlson a expliqué que, je le cite, hein, « Désormais, vous devez vous fier à votre instinct. Hein, » À votre instinct. – Oui. – Sixième sens. Oui, oui. Hein, voilà, les anges, votre ange gardien, comme vous voulez. Voilà. Mettez ce que vous voulez dessus comme nom. Hein, l'instinct du douanier, ce qu'on veut. « Vous devez vous fier à votre instinct et vous préparer. Vous n'avez pas remarqué que les gens sont de plus en plus en colère et paranoïaques ?» C'est ce qu'il a dit. Oui. Hein, voilà. Et quant à Mike Maloney, il a expliqué donc, à la fin de l'année que nous sommes de retour en 2008. Absolument. Ce que je vous avais, nous tous les deux, on vous avait expliqué en septembre, je m'en souviens très bien, septembre 2022. 22, pardon. Non, 2022. 22, oui. Voilà, on est de retour en 2008. Alors vous citez Tucker Carlson, c'est un journaliste de Fox News. Bon. C'était. Il s'est fait virer. Oui. Il s'est viré parce qu'il disait la vérité. Ben oui, bien sûr. Et il a fait parler le colonel Douglas MacGregor. Ah oui, alors allez-y parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Douglas MacGregor nous dit ceci. Alors, précisons qui est Douglas MacGregor. Alors, c'est un ancien colonel spécialiste de l'arme blindée, donc le char. Et c'est l'un des. Il a participé à la dernière grande bataille de chars lors de l'invasion de l'Irak en 93, ou je ne sais plus quelle année, 91. – Oui, la première guerre d'Irak alors. – La première guerre d'Irak, voilà. Il y a eu une grande bataille de chars. – Avec l'affaire du Koweït, bien sûr. – Exactement, voilà. – Et ce Douglas MacGregor, proche conseiller de Donald Trump, nous dit « Le monde occidental est au bord de la banqueroute ». Alors, on va essayer… – Il a parlé d'apocalypse financière. – Oui, et c'est le mot… C'est le mot que j'ai choisi moi en 2008, et vous l'avez toujours d'ailleurs sur la revue de presse, hein, sur Continent.com, vous allez voir, apocalypse financière, la revue de presse internationale. Bah, – écoutez, c'est très simple, il suffit de faire l'examen. – Je suis content que… – De trouver des cautions auprès de personnages. – C'est pas des cautions, mais ils ont mis trop de temps pour réagir. Alors, c'est ça le problème. – Comment ça se démontre ?– Piketty, vous prenez par exemple l'économisme, Piketty. Tu sais, comme dit De Funeste, Piketty, il n'a pas vu arriver l'explosion de Wall Street en 2008 ? Non. En effet. Bon, voilà. Il y en a bien d'autres aussi. Il y en a bien d'autres. Ah, j'ai la liste sur la droite de tous les économistes bidons. Alors, pour étayer. Notamment les deux Cohen. Oui. On salue. Absolument. Mais pour étayer cette
assertion, oui. Eh bien, il suffit de regarder les dettes. 34 trilliards de dollars, nous pour dit les McGregor, États-Unis, ils ont franchi dette. Les 34 trilliards. Trilliards. Bon, là, en janvier. Le 4 janvier, je crois. 3-4 janvier. C'est ça. Oui. Donc, 34 trilliards de dollars de dette américaine, mais on continue. Ah oui, je l'ai. La dette mondiale. Je l'ai, McGregor. Voilà, et il dit « Le monde occidental est au bord de la banqueroute. C'est juste qu'on ne dit pas la vérité au public et qu'on veut ignorer la… Enfin, que le public ignore la réalité. Notre système financier, donc il parle du système américain, bien entendu, se porte très mal, car on s'est nous-mêmes mis… il a fait un jeu de mots. On a nous-mêmes imprimé notre situation. Oui, en faisant référence à la planche à billets. Oui, c'est ça, imprimé voilà. Du billet. L'apocalypse financière arrive. Voilà. Voilà. C'est pas moi qui le dis, là. C'est pour le coup, McGregor. C'est l'ancien conseiller de Trump, McGregor, qui c'est pas le dernier des imbéciles. Soit dit en passant, sur le plan géopolitique, il a condamné la guerre. Il est super. Exactement. La guerre menée par Biden en Ukraine. Hein, mais bien sûr. La dette mondiale. Elle est de 100 trilliards. 100 trilliards de dollars. 100 trilliards de dollars. Ça veut dire que l'Amérique, quand même, a une dette d'un gros tiers de la dette mondiale. Mais bien sûr. C'est énorme. Et fin décembre, l'Éthiopie a fait un défaut de paiement, ce qui permettra aux États-Unis d'en prendre le contrôle via le FMI et la Banque mondiale. Parce que n'oubliez pas, la Banque mondiale et le FMI, en fait, ce sont des outils des Américains pour prendre le contrôle des autres pays quand ils sont en faillite. Voilà. Bien sûr. Et c'est avec ça qu'ils ont contrôlé toute l'Amérique centrale. Bien sûr. L'Amérique du Sud, pardon. Là, oui. Et c'est pour ça que les Américains du Sud se sont révoltés contre Washington. Et la dette est un pacte de suggestion, bien sûr. Bien sûr. Il y avait un très très bon livre qui est sorti en 2008-2009 de mémoire. C'est un ancien du FMI qui raconte comment il mettait en esclavage le Salvador, le Nicaragua, enfin tous les pays d'Amérique du Sud. Comment il devenait esclave de la Banque mondiale et du FMI. Alors je reviens sur la confession d'un tueur financier. Ah oui, comme ça. C'est ça. Oui, oui. Ah, c'est ça. Je vois, oui. J'allais tout dire à fait, un tueur oui. À gage. Non, non un tueur financier. Oui, je vois très bien. Je vois très bien. Je l'avais cité dans un des articles. Mais alors, revenons sur la dette américaine. Oui. Le service de la dette représente maintenant 20% des dépenses gouvernementales. Mais ils ne tiendront pas. C'est énorme. Mais ils ne tiendront pas, ça va être Weimar. Oui. On va vers Weimar. Sauf peut-être. Alors, j'ai mes hypothèses qu'ils vont continuer de faire exister le dollar, qui n'est plus rien, qui n'a aucune contrepartie, si ce n'est la puissance de l'armée américaine. On est d'accord. C'est Weimar. Mais enfin bon, même avec Weimar, à un moment donné, pour payer l'armée, vous payez avec du sable. C'est un peu l'idée. Hein. On va vers ça. Hein. Oui. Vous avez 44 maintenant, je crois. 43 États américains qui ont accepté et qui ont supprimé toutes les taxes à l'achat et la vente des pièces d'or et des pièces d'argent. Alors parlons-en, voilà. Justement. Mais attends, juste pour finir, parce que. Sure. Oui. Vous avez par exemple en fait c'est des sortes de dominos. Vous avez l'Éthiopie, le Ghana, l'Égypte, l'Argentine, le Liban qui font faillite les uns après les autres. Et donc du coup ça crée, vous savez, c'est comme des dominos qui tombent petit à petit. Ah oui, d'accord. Vous voyez un peu l'idée ? Il y a un effet d'entraînement. C'est le Liban qui a lancé le truc, n'oubliez pas. Oui, le Liban a été le déclencheur. Et c'est pour ça que toute la presse française a ignoré ce qui se passait au Liban. Ouais. Hein, pour se concentrer uniquement sur Carlos Ghosn, rappelez-vous. Oui, oui, absolument. Mon reportage. Qui, autant qu'on... Oui. Mais... Donc, 100 trilliards de dollars pour le monde et 34 pour les États-Unis, c'est quand même incroyable. C'est quand même énorme. La Californie, elle seule, elle a 68 milliards de dettes. L'État californien. Oui. Voilà. Et ça, je l'ai vu, ça, quand j'étais en Californie, il y a 20 ans. Mais ça, ils vont payer ça très cher. Ça a commencé il y a très longtemps. Même le gouverneur avouait, c'était une conférence, il avouait que les services sociaux coûtaient des fortunes à l'État de Californie. – Mais attendez, les services sociaux, c'est rien par rapport aux services de la dette. – Oui, oui, maintenant. – Pardonnez-moi. Oui. Parce que tout ça, ça se termine par, on supprime, on supprime une caserne de pompiers par-ci, oui. Une caserne de pompiers par-là, un commissariat par-ci. C'est ce qu'a fait Sarkozy, c'est ce qu'a fait François Hollande, c'est ce que fait Macron. Il continue à supprimer des lits d'hôpitaux, je le rappelle. – Absolument. – Ce sont des… Enfin, vous voulez, je ne vais pas m'énerver. – Pierre, non, ne vous énervez pas, mais je vais faire une petite incise en direction de nos téléspectateurs. – Oui. – Je sors d'un grand CHU, oui. Je viens d'être soigné magnifiquement, et qu'il se rassure, je vais bien. Mais je dois rendre hommage… Au personnel. Personnel. Bien sûr. Ils sont émouvants, attachants.
ils ont été d'un dévouement sans borne. Que ce soit de l'aide-soignant aux chefs de service, des gens qui méritent notre respect. Bien sûr. Et qui ont été traités comme des chiens par M. Macron. Mais ils sont toujours traités comme des chiens. C'est une honte. C'est ça le problème, regardez c'est comment ils sont payés. Merci à vous, en tout cas, regardez comment personnel ils sont hospitalier. Payés. C'est une honte. C'est je ferme la parenthèse, pardonnez-moi Pierre d'avoir fait un petit tour. Non, je suis d'accord avec vous. Mais je voulais que nos téléspectateurs sachent que nous avons à côté de nous des gens qui sont dévoués, qui se donnent du mal et qui sont maltraités. Mais Sarkozy, Hollande, Macron ont détruit l'hôpital français. Ouais. Et ça a commencé, il y a une criminelle, la principale criminelle, oui. Elle s'appelle Martine Aubry. Oui, d'ailleurs, j'en profite, parce que son père est mort, Jacques Delors, j'en profite, je le dis sincèrement, qu'elle me fasse un procès, je m'en fous, mort d'une ordure. Voilà. C'est ce que vous mettez Jacques dans Delors, mort d'une ordure, la plus belle ordure, le plus grand traître, pire que Giscard. C'est lui, mes chers spectateurs, c'est lui qui a décroché, annulé, oui, le fait que nos salaires étaient rattachés à l'inflation. Et c'est à partir de ce moment-là, oui, que les Français ont commencé à s'appauvrir. Jure. Littéralement. Oui, il a fait ça juste pour faire plaisir à ces enfoirés de Bruxelles, de l'Europe. C'est un libéral. Je ne sais pas où il est enterré, mais faites-moi penser à aller cracher sur sa tombe, Jacques Delors. Hein, bah, voilà. Et d'ailleurs, puisqu'on est... L'appauvrissement général des Français, il est résumé là. Il vient d'être résumé par la faillite d'un groupe que vous connaissez tous, Habitat. Oui. Vous l'avez vu ? Absolument, absolument. L'Habitat, c'est le mobilier de la classe moyenne, c'est un certain style, c'est... Voilà. On va surtout pas chez IKEA, nous, on va chez Habitat. Non, mais c'est très important. C'est très important de comprendre ça. Bah, il faut aller chez... J'ai toujours dit depuis 2008, cette crise... voilà, mais bien sûr, ou Conforama. Conforama. Cette crise, chaque année qui passe, chaque classe sociale descend d'un cran. Oui. Voilà. Et tant est si bien... que tous ceux qui, 2010, 2000, jusqu'à 2015, 2016, pouvaient encore aller chez Habitat, oui, eh bien, là, à partir de 2018, 2020, surtout après le Covid, etc., blablabla, ben là, ils ne pouvaient plus. Et du coup, Habitat a volé dans les airs, littéralement. Et ce sont, et il y a tous les gens qui ont acheté des meubles qui ne les recevront jamais. Il y en a pour 8 millions d'euros. Vous le voyez là, oui, Habitat ? Mais c'était pour faire de la trésorerie et ça n'a pas marché. Vous le voyez, Habitat ? Je ne le vois pas, non, je ne le vois pas. Par contre, alors, face à cette crise... Ah, je l'ai. Avéré. Alors, oui, allez-y pour Habitat. Oui, dans le juste, brutalement, c'est l'indice Nikkei pour les clients, hein, malheureusement. Voilà. Alors que la direction savait qu'elle fonçait dans le mur, cela n'a pas empêché les magasins répartis sur la France de prendre des commandes pour des meubles qui étaient ou pas en stock distant. Résultat, un peu plus de 8 millions d'euros versés, c'est ça, soit payés d'avance, vont être perdus tout simplement. Voilà. C'est absolument... voilà, résultat, la politique des meubles et accessoires de qualité, donc chers, ont littéralement coulé l'enseigne. Vous voyez, dans la chute d'Habitat, celle des classes moyennes françaises. Oui, voilà, exactement. Et pour moi, Habitat, c'est ça. C'est la chute des classes moyennes, oui, qui sont reléguées maintenant en classe de pauvreté. Voilà. Oui. Et même IKEA devient cher pour eux. Et attention. Même Attal, le nouveau Premier ministre, s'en est aperçu parce que dans son discours de présentation, il a évoqué les difficultés que subissait la classe moyenne. Je doute quant à moi qu'il puisse faire quelque chose pour eux, mais en tout cas, il a évoqué le problème. Maintenant, Pierre... – Il y a 25 magasins, hein ?– Oui. – Il y a 25 magasins, 450 salariés, 80 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Ils se sont déclarés en faillite. – Oui. – Voilà. C'est triste. – Alors j'aimerais qu'on arrive... – Vous avez vu que... Pardonnez-moi, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais ils ont attendu fin décembre. Ben oui, toujours le mois de décembre. Ça date de quand ? Ouais. Vous savez, le mois de décembre. 8 décembre. Est fatal aux décisions financières et monétaires, fatal aux entreprises et fatal à la vieillesse. C'est le mois où les personnes âgées meurent le plus. C'est pas novembre ? Non, c'est décembre. Ah d'accord. Oui. Mais bon, laissons ces choses tristes et revenons à quand même à un phénomène dont vous avez été d'ailleurs pionnier pour en parler. C'est évidemment la montée en puissance du Standard Or, qui revient en force. Bon, vous avez vu, on va projeter le cours de l'or. Depuis 2013, bon, c'est parlant, la courbe le démontre. – Non, mais il n'y a pas photo. Puis attends, l'or a cassé ce que j'appelais le plafond de verre, oui, des 2000 dollars.
Parce que la Fed utilisait la planche à billets pour bidonner, parce que les ETF, vous savez, les lingots en papier ne suffisaient pas. Donc, voilà. On avait donné ici les traders de Blight Masters, de la JP Morgan, qui ont été mis en prison, là il y a 2-3 mois seulement. Alors que c'est des affaires qui datent d'il y a 10 ans, 15 ans. Ouais. Vous voyez, et qui faisaient du spoofing. Hein, ils achetaient. Oui. Alors, j'achète, je revends, oui. Non, c'est-à-dire le matin, je dis j'achète pour 200 millions de dollars d'or, voilà. Et 5 minutes avant la fermeture, je les vends. Voilà, c'est ce ça. Qui fait que, boum, le cours de l'or. Voilà, ils font ça tous les matins. Oui, mais alors. À chaque fermeture, pardon. Mais les Américains continuent de faire baisser l'or. C'est le plus grand danger pour le dollar. Évidemment. Si l'or diminue, le dollar s'apprécie. Mais s'il remonte, le dollar se déprécie. Pour eux, il était hors de question que l'or puisse monter en puissance comme il est monté en puissance après 71. Ben oui. Rappelez-vous. Ben oui, bien sûr, oui, parce que le dollar. Vous avez 11 ans. Oui. Vous étiez déjà prof, non? Oui, j'étais déjà prof. Vous étiez déjà prof. Et je l'enseignais, je l'évoquais. Il faut bien comprendre aussi qu'à ce moment-là, nous avons. Suspension de la convertibilité hors du dollar, donc c'est fini. C'est fini, le système de Bretton Woods est mort, et le pétrole se payait 1,5 $ en dollars dépréciés. – Mais qu'ont fait les Américains? Ils se sont dit, on n'a plus le standard or, on n'a plus l'or pour garantir, non. Donc ils ont inventé le pétrodollar. Ben – oui. Ah, rappelez-vous, oui. Et donc aujourd'hui, pendant 40 ans, le monde était obligé de faire tous leurs achats en dollars. Oui. Et pour avoir des dollars, il fallait commercer avec les Américains. Ah oui. C'est une escroquerie monumentale. Et aujourd'hui, vous avez les BRICS qui ont pris le pouvoir, grâce à Poutine d'ailleurs, et aux Chinois. Et vous avez vu que même MBS, de l'Arabie Saoudite, il a ouvert. Mohamed Ben Salman, le patron de l'Arabie Saoudite. J'ai ça quelque part là. Il a ouvert un. Il fait partie des BRICS et maintenant on peut payer les Saoudiens avec de la monnaie chinoise ou autre. Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais le dollar sort progressivement. Dédollarisation en route, certes, mais il ne faut pas imaginer que l'Amérique laissera faire sans la douleur. Ça va être très douloureux. Alors Olivier, vous êtes le témoin, mais nos spectateurs également. J'ai même écrit un livre là-dessus. Oui, toute utilisation de planches à billets intense conduit à la guerre. À la guerre. Là, on en a deux. Ouais. Pas une, mais deux. Ouais, ouais, ouais. C'est l'intérêt des Américains, ouais. Qui sont les plus grands profiteurs de cette guerre, notamment ukrainienne. 90% des armements qu'ils achètent, c'est aux Ukrainiens. BlackRock a déjà déclaré qu'ils allaient tout racheter. Ouais. JP Morgan a déjà racheté je ne sais pas combien de terres, alors que déjà auparavant, il y avait un nombre incalculable de kilomètres carrés qui appartenaient à des Américains. Maintenant, les Ukrainiens sont complètement endettés vis-à-vis de BlackRock, des grandes institutions bancaires américaines. – J'avais fait un article qui s'appelait « Quand la banque avance, le bien commun recule ». Bah, oui et non, non, parce que sous la période de Gaulle avec Jacques Rueff, pardonnez-moi, les banques étaient nationalisées, et donc c'est le gouvernement qui donnait le tempo. – Et puis quelques grands commis de l'État qui faisaient leur boulot. Rueff. Jacques Rueff, Paul Delouvrier, comment s'appelle-t-il encore? Il y avait Pierre Guillaume, il y avait… celui qui a fait le canal, l'aménagement du Barrage de Languedoc, j'ai oublié son nom. Mais il y avait quelques grands commis de l'État. Aujourd'hui, vous avez 60 conseillers par ministère. On se demande ce qu'ils foutent, à part de toucher des sommes, des salaires considérables. Il n'y a plus cet élan créateur. Il n'y a plus cet élan créateur. Bon. Alors, l'or monte, mais alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'argent aussi. Ah oui, tiens, on a les pièces d'argent. L'incroyable succès du Liberty. Absolument. En argent. Alors attends, ah oui, voilà, je l'ai. L'incroyable succès. Voilà, la chaîne américaine. Alors, je crois qu'on en a parlé ensemble. La Costco, vous savez, c'est l'équivalent de Metro ou Monoprix. Oui, d'accord. Voilà, oui, voilà oui. Ils ont mis en. Ils avaient acheté des petits lingots, des pièces d'or. Ils se sont dit, tiens, on va mettre 3 mois pour vendre le stock. Ils les ont vendus en 3 heures. En 3 heures. Du coup. C'est mauvais signe, hein. Bon, ça se passe aux États-Unis, oui, mais ça vous montre bien ce qui se passe. Ouais. L'explosion des banques américaines du mois d'avril a conduit à ce recul des liquidités dont on a parlé tout à l'heure. Et que font les Américains? Ils achètent de l'or et de l'argent. Et alors, de l'argent, maintenant.
Et là... Les pièces d'argent. Voilà, pensant vendre le stock en 3 mois, il est parti en 3 heures, écoulant plus de 100 millions de dollars de pièces d'or. Du coup, la firme a décidé de vendre des pièces en argent, par tube de vin. Là, on ne va pas les acheter un par un. comme Joubert ou CC Opéra. Oui, en France, oui. Et là aussi, le succès a été tel qu'elle a limité les achats à 2 tubes. Seulement par client, donc ça fait 40 pièces maximum. Notez que le prix de l'or a été supérieur de 50 dollars par rapport au cours, bidonné évidemment par la Fed, mais ce n'est pas tout. Le succès entraîne le succès, puisque le cours de l'action Costco s'est lui-même envolé de 45%. Alors tous ceux qui ont lu, on avait publié le livre du professeur Fekete sur le standard argent. Nous allons parler du livre de... Fekete a été annonciateur, là pour le coup. Voilà. Économiste hongrois. Grand économiste. Exactement. Je dis à nos téléspectateurs que nous allons reparler de lui. Oui, parce que il faut rendre hommage à Fekete, qui est vraiment le visionnaire. Ouais, il nous a quittés il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps. Pendant le Covid. Bon, voilà. Il y a encore des questions. Tiens, juste, du 1er au 3 janvier, voilà, vous vous souvenez que en 2013, le prix de l'once était aux alentours de 900 dollars. Oui. À l'heure où j'écris ces lignes, le cours était à 2060 dollars. Oui, voilà. Donc tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui ont suivi nos conseils, la revue de presse, etc., bon ben voilà, j'aime pas le terme sauver, vous avez transporté votre épargne dans le temps. Voilà. C'est ça mon truc, enfin c'est pas mon truc, c'est celui du professeur Fekete. Voilà. On transporte l'épargne dans le temps. Voilà. Voilà. Et l'épargne, c'est d'ailleurs du temps. Il joue sur le temps, toujours. Exactement. Le temps, c'est de l'argent. Et c'est de l'argent physique. Oui, bien sûr. Moi, je rappelle que le français, c'est une des langues les plus intelligentes, parce que quand on parle d'argent, on fait une référence directe aux pièces en argent. Aux pièces en argent. Tout simplement. Oui, on va revenir à la source. Oui, mais pourquoi ? Ce sera un retour aux sources. Parce que j'avais parlé de grosses coupures. Les grosses coupures avaient des équivalents or, et donc le petit peuple ne pouvait pas, évidemment, avoir autant de stocks d'or. Donc, on a fait une monnaie, on était bimétallique argent, et on a fait des petites pièces en argent. Bah, c'est ce que dit Fekete. Et par contamination, exactement. Eh bien, l'argent s'est appelé l'argent. Tout ça. Mais si vous êtes en Angleterre et que vous demandez à un Anglais, cher téléspectateur, « Have you got any silver ?» Il ne vous comprendra pas. Et « Have you got any money ?» Est-ce que vous avez la monnaie ? Donc, c'est tout le problème de l'argent en France. Oui, la livre sterling, oui. C'est quand même une référence. Ah oui, bien sûr. Oui. Excusez du peu. Oui, oui. Hein, la livre sterling. Argentina. L'Argentine, c'est une référence directe aux mines. On a même une station de métro. Bon, elle n'est pas en argent. Non, pas en or non plus. c'est là où on devrait faire l'émission au métro Argentine. Oui, et puis pensez aussi au livre de Balzac. Lequel ? L'argent. Non, c'est Zola. Qu'est-ce que j'ai dit, Balzac ? Zola, oui, Balzac. Excusez-moi, je pensais Zola. Balzac, il a quand même beaucoup écrit aussi sur le sujet. Il y a une chose, c'est la hausse des taux d'intérêt. Lui, le pauvre, lui, il était poursuivi par les huissiers. Oui, oui, oui. Il avait même fait un bureau caché dans un meuble. Oui, oui, quand les huissiers arrivaient, mais c'est tous les jours, le pauvre Balzac. Ouais. C'est drôle, parce qu'à côté de ça, Zola avait une belle réussite financière. Il avait construit une... Mais Zola, c'était autre chose. Zola, pour moi, c'est l'un des plus grands écrivains français. Émile Zola, la série des Rougon-Macquart, là, c'est exceptionnel. Je crois qu'il n'y en a pas un seul que je n'ai pas lu. Au bonheur des dames. Au bonheur des dames. Bon, mais sur ça. La naissance des Galeries Lafayette. Ne me poussez pas sur les mauvais jeux de mots, Pierre. Non, en revanche, là où vous êtes, on a quand même une conséquence sur un chapitre de vos travaux qui vous est particulièrement cher, c'est les fameux CDS. Les crédits défaut swap, ah oui. Et oui, et qui dites-vous, pour moi, sont devenus un danger pire que les centrales nucléaires. C'est pas moi qui le dis, hein, pour le coup. Oui. Je ne sais plus qui le dit. Vous avez le papier ? Je ne sais plus qui le dit, mais... Attends, comment les 20... Non, mais attendez. Les CDS, si, je l'ai regardé. Voilà, je montre aux spectateurs, oui, j'ai fait un accordéon... Ça donne ça. Alors ça, c'est les banques, mais c'est des informations secondaires qu'on peut éventuellement... voilà, alors là, c'est... Quotidien.com. Voilà, quotidien.com. Alors ça date du 1er janvier, tiens. Oui, parce que j'ai gâté mes lecteurs. Oui, oui. Je leur ai fait une revue de presse pile pour le 1er janvier. Oui. Ah, mais voilà. Ils vous le rendent bien, hein. Ah ouais. Ils vous le rendent bien. Quand vous étiez à Montpellier, vous avez vu... Mais il y a un monde fou. Je les remercie, d'ailleurs. Ouais. Je les remercie. Alors, dis-moi... J'en ai d'autres, on va le voir, là, à la fin. Les CDS, donc...
Pourquoi les assurances sont... contre les impayés, ou voilà. Les baisses de valeur, pardon, représentent. Alors, il faut savoir que c'est une assurance contre les impayés, mais c'est un titre qui est vendu, qui est titrisé. Exactement, c'est surtout ça titrisé. Le problème. Oui, c'est qu'il circule. Exactement. Il circule. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était en quelque sorte non liquide, qu'on a transformé en liquide. Voilà. Mais j'ai un chiffre pour vous, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de 100 trilliards de dettes pour le monde, oui, mais là, dont 34 pour les États-Unis. Alors écoutez bien, là, c'est. 150. Juste pour les trois plus grandes banques américaines, voilà. Cela représente 157 trilliards au 30 septembre 2023, selon Wall Street on Parade, soit plus que le PIB du monde entier. Voilà. Voilà. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Ah, ça, on fait tousser là. Gloups. Gloups. Oui, c'est violent. Gloups. Alors, oui, mais bon. Alors, la phrase à retenir dans leur article, qui est très intéressant, c'est liquidity crunch. Voilà. Oui, le crunch. Liquidity crunch. C'est-à-dire, il n'y a plus de liquidité. Et ça. Rétraction de liquidité. Et ça revient à ce que j'ai écrit. Vous l'avez vu, l'océan est toujours en retrait en son début 2024. Voilà. Retrait des liquidités. C'est du 8 janvier. Ouais, voilà. L'océan des liquidités se retire de plus en plus loin en ce début d'année, confirmant le mouvement observé depuis l'explosion des banques d'avril à mai 2023. Mais c'est arrivé aussi en 2008. Il y a eu un problème de liquidité interbancaire et elle n'avait plus de liquidité à se prêter. Les pertes non réalisées, ça c'est Kobayashi Letter, les pertes non réalisées représentent désormais environ 33% de l'ensemble des fonds propres des banques aux États-Unis. 33%. À l'époque, en 2008, quand tout a explosé, ils étaient à, de mémoire, 5. Ils étaient à 5. Voilà, pour mettre cela en perspective, même au pire moment de 2008, les pertes non réalisées ne représentaient que environ 5% des fonds propres des banques. Aujourd'hui, nous sommes à 33% des fonds propres des banques. Voilà, et c'est pour ça que McGregor, tout à l'heure, parlait d'apocalypse financière. Oui. Ah tiens, puisqu'on parle d'apocalypse, alors attends, parce que il y a Zuckerberg, le patron de Facebook. Oui, là. Ça c'est. Non, mais c'est énorme. C'est James Bond. C'est James Bond. Il s'est fait un bunker. Il s'est fait un bunker littéralement pour lui et sa famille. Il a acheté une île de Hawaï. Hawaï, oui. Voilà. Ça c'était au 1er oui, janvier. Mais il a spolié les propriétaires, les habitants. Il a décidé d'acheter une partie de l'île hawaïenne de Kauai. Pourrait construire un bunker géant afin de protéger sa famille, soit d'une troisième guerre mondiale, soit d'une météorite, soit d'une apocalypse financière. Enfin bon, tout ça, c'est l'apocalypse financière entraîne la guerre, de toute façon. Oui, mais la troisième hypothèse est la plus probable. En ce moment, oui. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire. Mais en plus, il est très concerné, il est juif, Zuckerberg. Ah, je ne sais pas. Ah, bah oui. Mais ceux qui c'est le Mossad et le Shin Bet qui lui font le plus de demandes pour censurer des contenus. Ah, d'accord. Et oui, ensuite la France. J'ai quand même une réflexion sur ces hommes immensément riches qui construisent des bunkers. Est-ce que la richesse ne leur donne pas l'illusion de l'immortalité? Si, tout à fait, c'est un vieux classique. Ouais. Frédéric Becbédé a écrit un livre là-dessus d'ailleurs, très intéressant, que j'ai lu l'été dernier. Bon, c'est du Becbédé, ça se lit très vite. Oui. C'est enlevé. Oui, mais c'est très intéressant parce qu'il est allé sur place. Donc les ultra-riches veulent vivre le plus longtemps possible. Oui, on a l'impression qu'ils ont l'éternité pour eux avec l'argent. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils pensent avoir l'éternité, alors qu'il y a 20 ans, 30 ans, en fait, ils faisaient de la cryogénisation. Oui, oui, ils se conservaient au froid. Voilà, donc ils se disaient, on va me glacer, on va me geler, et on va me dégeler dans 30 ans quand la médecine aura fait de tels progrès qu'on pourra me ramener à la vie. Attends. La société qui avant, elle avait vendu ça à au moins 500, 600 personnes, qui étaient entreposées dans des cercueils cryogénés. Je crois que c'est au fond du Texas. La société a fait faillite. A fait faillite. Et ils ont retrouvé par hasard tous les cercueils avec les corps pourris à l'intérieur. Mais c'est du délire. Il n'y avait plus le froid. C'est ça, il n'y avait plus le froid. Il n'y avait pas un film avec De Funès, monsieur Hibernatus. Hibernatus, bien voilà. Sûr. Oui, mais c'est quelle curieux. Culture, quelle culture. Non, alors, ce sentiment d'immortalité que l'argent construit. Alors, tiens, regardez bien. Alors, ça, en fait, il a fait construire un complexe 200 millions de dollars que le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, 39 ans, construit sur l'île de Manin. C'est à seulement 20 km de la maison de l'ancien
James Bond de Pierce Brosnan. Oui, oui, c'est ça, ça fait un peu qui James a fait Bond. Le meilleur James Bond de jamais, celui qui se passe en Russie, là, avec... Bon baiser de Russie Non, ça c'était avec... GoldenEye. Oui, part, GoldenEye, c'est... Bon baiser de Russie, c'était... GoldenEye, c'est le plus grand des James Bond, à mon sens. Ah, et je suis fan, bien, j'aime bien Sean Connery, moi. Non, mais il est top. Non, mais là. Mais là, Pierce Brosnan, il est. C'est mieux. Bref. Voilà, donc on est dans du James Bond, clairement. Oui. Voilà. Mais c'est n'oubliez pas, avec Davos aussi, on est dans du James Bond. Oui, exactement. Ah, tiens, puisqu'on parle de Davos. Attends, il faut que je pose tous ces trucs de banque. Là, je ne m'en sors pas. Les banques non plus. Les banques non plus, oui. L'océan est toujours. Ça, c'est. Voilà, donc je finis juste là-dessus. Voici 4 ans, les banques détenaient environ 100 milliards de dollars de gains non réalisés. Aujourd'hui, elles sont assises sur environ 700 milliards de dollars de pertes non réalisées. La question devient alors, que se passe-t-il lorsque les aides aux banques, le programme BTFP, machin, expire ? Voilà, donc là, vous pouvez, c'est le 8 janvier, voilà, sur quotidien.com ou... Alors, quotidien, c'est un tremplin, hein, ça vous emmène directement sur la page de mon site. Nous arrivons alors, Davos, tout près de la fin de cet entretien. Ah oui, non, mais attends, pour Davos, alors, attends, Davos, il ne faut pas les louper. Il y a des choses là. Sur Davos. Ah non, mais Davos, quelle bande Davos d'escrocs. Davos s'attaque aux chats et aux chiens. Ils veulent. En fait, tout commence, la première attaque sur les chats, en disant que les chats sont en train de tuer les oiseaux, machin. Et là, on a vu une éolienne qui a tué 20 000 oiseaux. 20 000 oiseaux, je ne sais pas si vous réalisez. Oui, c'est pas un chat. Non, c'est pas un chat, non. C'est abusé. Donc des aigles, etc., des hérons, et ainsi de suite. Et donc, ça vient toujours d'Australie. Ça commence toujours Australie. Les Australiens et les Néo-Zélandais, c'est les pires des collabos. Sur le Covid, anglais. Les gens étaient effroyables. Ah, mais effroyables. Ouais. Voilà. Et donc, ils disent, le chien, ça fait du carbone, je ne sais pas quoi. Ouais, vous l'avez l'info ? Oui, bien sûr, oui. Non, alors, ils s'attaquent aux chiens, aux chats. Alors attends, ça a été repris par Reuters, tiens, je l'ai là. C'est du 18 décembre, voilà. C'est le Gop Murdoch, voilà, qui est revenu à la charge, ainsi que BFM. BFM en France. Mais BFM, Drahi va être obligé de le vendre. Oui, alors, Drahi, il est en situation. Il a le revolver sur la tempe. Il est temps de déclarer la guerre aux chats tueurs. Des scientifiques de premier plan risquent la colère des amoureux de. Alors que les chats massacrent 75 millions d'oiseaux et de petits mammifères en Grande-Bretagne chaque année. Alors, à mon avis, c'est complètement. 75 millions, c'est complètement faux. D'une part, c'est totalement faux. Et en plus, depuis 5000 ans que les chats ou 6000 ans que les chats existent, je veux dire, le monde animal n'a pas spécialement souffert de la présence ni du chat ni du chien. C'est vraiment une bande de salopards. Vous savez pourquoi les chats, les chiens? Parce que ça permet aux personnes âgées de vivre plus longtemps. C'est oui, ça le parce truc. Parce qu'il y a une relation affective avec le chat, bien sûr. Mais bien sûr. Alors le WEF. Vous savez, moi un jour j'étais dans un avion qui a traversé, qui a été. Dont le réacteur a explosé sous mon nez. C'était un DC-9. Il y avait Cambadélis dans l'avion d'ailleurs, on revenait de Bucarest. J'ai vu l'hôtesse se précipiter du bout de l'avion et venir, parce que moi j'étais vraiment dans la dernière rangée, et venue s'asseoir à côté de moi, elle m'a pris la main, elle était terrorisée. Elle était persuadée qu'on allait se cracher. On avait de la chance. Et je me suis dit, on va se cracher. Donc quand vous dites, on va se cracher, alors c'est mes dernières pensées. Et vous savez quelle était mon inquiétude? Qui va s'occuper de mon chien? Ah, c'était ça, c'était. Oui. Vous savez, quand vous êtes entre la vie et la mort, comme ça, c'est des pensées, c'est pas du tout. Métaphysique. C'est pas du tout métaphysique, c'est des trucs vraiment très pratiques. Et j'étais très inquiet pour mon chien. Est-ce qu'il allait finir à la SPA? Est-ce qu'il va. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, vous êtes pas craché. Non, parce que l'équipage était un équipage formé de formateurs. C'était au mois de décembre. Ouais. Et donc, ils ont réussi à poser l'avion dans un blizzard, revenir à Bucarest et de le poser. Après, on est revenu en train. Mais ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Ils ont tué les personnes âgées. Pendant 3 mois, les personnes âgées ne pouvaient voir personne, rappelez-vous. Oui, bien sûr. Elles ne pouvaient pas voir leurs petits-enfants, elles ne pouvaient pas voir leurs enfants. Dans les EHPAD. Elles sont mortes dans les EHPAD. Ouais. Rappelez-vous, les premières semaines, on les a enterrées. On a mis les morts du côté de l'aéroport d'Orly. Ouais. Vous vous souvenez du oui, scandale oui, absolument. Et les gens ne pouvaient même pas rendre un hommage aux cadavres. Ouais. Non mais,
Voilà ce que c'est Davos. Voilà. Et ces bandes de salopards de Davos, là, le Schwab et compagnie, regardez, là, j'ai tout ça sur Davos, c'est la première fois. Et d'ailleurs, il y a une pétasse qui est arrivée, là. Lynn de Rothschild. Ah, Lynn de Rothschild. Lynn de Rothschild. Alors, elle veut un gouvernement mondial. Au-dessus, c'est le soleil. Là, franchement, je pensais avoir tout vu, mais Lynn de Rothschild, c'est le genre de... Alors, elle est multimilliardaire, oui, oui. Elle s'emmerde. Pardonnez-moi le... Donc, elle, nous invente... elle s'ennuie, elle n'a pas de raison d'être. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, exactement. Elle nous invente un gouvernement mondial. Et alors donc, elle vient nous vendre un gouvernement mondial qui sera secondé par l'intelligence artificielle. Mais... Et Lynn, là, il faut que tu achètes un peu de fumette, quoi, un peu de Marie-Jeanne. Hein. Voilà, ça va te changer les idées. Parce qu'en en fait, elle est dans la dépopulation, bien entendu. Et elle a un prédécesseur, il s'appelle Monsieur Attali. Ah bah Attali, bien sûr, mais c'est la même clique. Ce sont des... Mais c'est la même clique. Vous savez comment j'ai qualifié... Jacques Attali, Lynn de Rothschild, Klaus Schwab, etc. Ce sont les mêmes. Les pré-babéliens. C'est-à-dire qu'ils voudraient une seule langue, un seul gouvernement mondial. Et... Il y a Ein Reich. Arrêtez. Ein Volk, bah, pardonnez-moi, mais oui. Ein Volk, Ein Reich, je sais pas quoi. C'était quoi déjà ? Ein Führer. Ein Führer. Ein Führer. Oui. Mais justement, mais. Pour c'est le Führer. Pour faire un gouvernement mondial, effectivement. C'est ça, il faut une mais bien sûr. Évidemment. Mais bien sûr. Comment voulez-vous tenir une diversité aussi grande ? Bon, et vous savez quoi ? Il y a un jésuite. Un jésuite, pour une fois, c'est un bon jésuite. Bon, les jésuites, en général, ils sont quand même très, très bons. Hein. Il s'appelle François Marty, il est mort, ce brave homme. Oui. Il a dit, mais au contraire, ce rêve pré-babélien est une idiotie. Babel est un bienfait pour l'humanité. Ça crée la diversité des cultures, la diversité des langues. Et des langues. C'est merveilleux. Et ces partisans de la biodiversité, ils ne savent pas que Babel a créé la biodiversité aussi. Vous voyez, c'est amusant comme réfutation. Oui, mais regardez, Davos, le 20 décembre... Oui. Regardez bien, en Angleterre, ils ont voté une loi en 12, donc désormais la police est autorisée à passer à la reconnaissance faciale son fichier de 50 millions de conducteurs. Oui, 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 j'ai voilà. vu ça. Donc maintenant vous avez des radars en plus, vous avez des appareils photo sur les ponts, au bord des autoroutes, ils vont photographier les gens, les excès de vitesse, quand vous recevez la photo de votre excès de vitesse, on vous voit clairement. Hein. Oui, oui. Vous me suivez ? Ah, oui, oui, oui. Donc, ça m'est arrivé. Donc bah, voilà, ils vont en lier tous les fichiers. Oui. C'est en cours. Alors regardez bien, ça c'est du 1er janvier. Ensuite, manger des insectes. Notre lecteur, M. Cortal, nous dit, dans l'un de vos articles, que vous citez, la société US Tyson Foods pour la fabrication d'aliments à base de farine d'insectes a compté de 2025. Sachez qu'en France, tout est prêt. Société InnovaFeed. Donc Nestlé 80, donc là il y a le lien, etc. Ils ont signé un partenariat avec Auchan depuis 2017 pour l'alimentation animale. Hein, voilà. En ce qui concerne les larves de mouches soldats noirs, il y a Agronutrice à Toulouse. Voilà, et on a le lien. Vous voyez, donc ils sont en train de tout préparer. Quelle horreur. Alors, ensuite, Bill Gates, hein, qui nous parle de dépopulation. Hein, voilà, mais en fait... Quand il parle de réchauffement, en fait, il parle de dépopulation. Oui, exactement. Voilà, c'est l'arrière-pensée. C'est l'arrière-pensée. Non, mais c'est un habillage sémantique. Ouais, absolument. Oui. C'est un, par exemple, l'habillage sémantique. Un japonais n'exprime jamais ses sentiments. Non. Vous le savez. Bien sûr. Donc, bien sûr, pour dire je t'aime, à une japonaise, bah, voilà. Il dit aishitemas. Korewa aishitemas. Ça veut dire que quelques sentiments envers vous j'éprouve. D'accord. C'est le mec qui se roule par terre. Quoi. Hein, bah, vous me suivez ? Oui. C'est une question de sémantique. Donc ils ils habillent ça de manière sémantique. Voilà. Voilà. C'est Orwell. Oui, bien sûr. Vous l'avez dit une fois, je me souviens de cette émission La paix c'est la guerre. Où, oui, bien sûr. Et ainsi de suite. Et voulez-vous qu'on. Tiens, la BCE lance l'unification de l'euro digital et de la carte d'identité. Voilà, ça c'est... Voilà. 20 novembre. C'est le... Ensuite... C'est l'invention de Athos et de monsieur... 18 décembre, Breton. Le peuple ne pourra plus s'exprimer. L'exemple allemand et américain. Alors, voilà. Je crois qu'il faut citer Al Gore. Allez-y, vous l'avez, Allez-y. Al Gore, ancien candidat américain... auteur du film sur la fonte des glaces qui devait arriver voici 10 ans. Oui, d'ailleurs, tout ce qu'il a raconté, tout ce qu'il nous a annoncé ne s'est pas passé. Hein. Écoutez ça, chers téléspectateurs. Écoutez bien ça. Ceux qui ont un accès à de l'information non validée par la presse classique mettent la démocratie en danger. Autrement dit, les réseaux sociaux, qui ne sont pas les mainstream,
mettent la démocratie en danger. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que... La liberté met la démocratie en danger. Oui, mais la revue de presse là, qu'on vient de faire avec vous pour nos spectateurs, je rappelle qu'elle vient de toute la presse classique. Oui, oui. Voilà, c'est tout. C'est juste une façon, si vous voulez, de montrer ce qui est en train de se préparer dans le la substantifique moelle. Voilà. Alors tiens, le WEF pour contre les chats et les chiens, c'est du 18 décembre. Le WEF, voilà. Le WEF contre le WEF. C'est ça. 90% des chats vivent en appartement et mangent des plats préparés. Voilà. Ouais, moi, Iris, que vous connaissez bien, mon chat, c'est son royaume. Elle était dehors, elle n'a pas spécialement cherché à attraper les oiseaux. Et le mien, qui est pour jouer. Comme le vôtre. Oui. Eh bien, lui, pour 10 souris, il me mange un oiseau. Il détruit des nuisibles. Mais bien sûr. Mais sur les bateaux, on prenait des chats. Bien sûr. Sur les bateaux, les caravelles, etc., évidemment. Pour que le blé bien ne sûr, s'abîme bien pas et qu'il ne soit sûr. Pas abîmé par les rats ou les, oui, ou les souris. Non, mais c'est quand même. On oublie que ce sont des animaux domestiques. Et, je veux dire, les chiens bergers, je veux dire, c'est dans le nom, berger. Hein, voilà. Ils surveillaient le troupeau. Voilà. Non, en tout cas, Aline de Rothschild, alors vraiment, c'est du 4 au 8 décembre. On va mettre un extrait, là. That's why I'm saying we have to have a declaration where business and government together make a joint statement to the public. About why capitalism, understood to be for all the people, is the best system in the world. And that's not free market alone. It's free market that's dictated by, as Adam Smith said, morality and ethics. And that's all I'm asking for. Parce qu'elle est quand même incroyable, quoi. Elle est 7 minutes et 40 secondes d'interview de Lady Lynn de Rothschild. Oui, c'est pas mal. Très, très proche d'Epstein. Tiens. Ah, le monde est petit. Hein. Oui. Dès qu'il s'agit du Mossad, du Davos et tout le truc, on retrouve les mêmes. Hein. Epstein. On retrouve et en plus, vous avez vu l'affaire Epstein. Oui, on a fait une émission. Vous avez vu tout oui. Ce qu'on avait dit. Ça en été, fait, ah oui, ça a été maintenant, on a encore plus d'informations. Oui, quoi. Absolument. C'est incroyable. Absolument. Et là, il y a un procureur américain qui commence à faire du travail. Elle a tout balancé. Oui. Elle a tout balancé. Tout. Elle a tout balancé. Ouais. C'est une femme, elle a tout balancé. Et les mecs, là, ils pissent dans leur froc. Là, c'est hallucinant. Lynn de Rothschild. Non, mais je vous assure. Alors, elle parle de, écoutez bien, pour un capitalisme inclusif. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que on a bon cœur. Ah, oui. Nous, ultra-riches, il faut qu'on jette une piécette aux pauvres. Aux gueux. Aux gueux. Hein, voilà. Aux gueux. C'est ça, c'est Lynn de Rothschild. Lynn de Rothschild, non mais c'est incroyable. Et Laurent Alexandre, le docteur Alexandre oui, aussi. Oui, oui, oui. Ah bah vous vous souvenez de son truc à Polytechnique ? Ce sont même discours. Vous êtes des dieux. Et donc tout le reste, c'est des gueux. Des gueux. Non, oui. Dieux versus gueux, ouais. Oui. Mais ils sont fous. Ils sont fous dans leur tête. Oui, mais vous savez ce que c'est, cette phrase ? Non ? Ben, c'est la phrase du serpent dans la Genèse. Vous serez comme des dieux. Ah oui, 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 oui. Si oui, vous oui la connaissance. La connaissance. La connaissance. Je savais pas que les serpents l'arbre de parlaient. La connaissance. Je savais pas que les serpents parlaient. Hein. Oui, la connaissance du bien et du mal. Le serpent ne connaissait une seule lettre, le S. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur la tête? D'accord. Je vous voyais bien. Non, mais... Bien, mon cher Pierre, non, mais écoutez, parce que Lynn de Rothschild, c'est génial. Oui. Écoutez bien. J'ai écouté son discours et ce qu'il ressort est simple. Il faut prendre les impôts des gens. Bon. Donc on prend tous les impôts des pauvres, des gueux. Ils prennent déjà les impôts. Voilà, c'est ça. Pour gouverner à leur place. Oui, toujours. Non, mais toujours. C'est ça qui est dingue. Il n'y a plus d'élection. Non, c'est ça que Mme Lynn de Rothschild, machin. Donc, pour gouverner à leur place, le gouvernement ne servant qu'à collecter ces mêmes impôts. Pour tout le reste, faites confiance au PDG de Goldman, de Coca, IBM, etc. Et bien entendu, et surtout à l'intelligence artificielle, qui, elle, va redistribuer les cartes. Voilà. En clair, Lady Lynn de Rothschild veut sauver l'humanité d'elle-même, exactement comme le cercle de fous furieux de Davos. Voilà, là, je vous donne le papier. Non mais c'est incroyable quoi, c'est totalement incroyable. Je veux dire, en fait, elle nous refait du Mussolini. Oui. Elle nous refait du Mussolini, tout simplement. Ouais. Mussolini, c'était l'alliance entre le pouvoir politique et les grandes entreprises italiennes. Ouais. Hein, ça s'appelle le fascisme. Le fascisme. Mais comme elle n'a jamais rien dû lire, hein, Lynn de Rothschild, à part Marie-Claire. Le mondialisme est un fascisme.
Non mais c'est complètement fou. Enfin, je... Voulez-vous tiens, que... pour finir. Allez, BPCE. Pour la route. Ouais, Banque Populaire Caisse d'Épargne va vendre les gens de la Natixis. Vous savez, c'est les gens qui avaient fait H2O. Voilà. Donc ça, c'est du 4 au mois de décembre. Tout se passe au mois de décembre. Oui, c'est pour passer sous le radar. Et il y a il y a une banque chinoise qui a volé dans les airs. Je sais pas si vous l'avez vu. Jingzhou. Voilà. Mais c'est l'immobilier chinois qui est en train de couler, comme en Europe et aux États-Unis. Zhongzhi, exactement. Zhongzhi Bank. La source est Bloomberg. Source fiable. Voilà, c'est ça. Et là, le 4 décembre. Signa, le géant autrichien de l'immobilier de bureau de M. Benko, le plus grand gestionnaire propriétaire de centres commerciaux d'Europe, c'est pas rien. Ouais. Attends, tous les centres commerciaux d'Europe, c'est vachement important. Eh bien, il a été mis en faillite le 29 novembre 2023 avec des actifs de, écoutez bien, 25 milliards de dettes. 25 milliards de dettes. Vous voyez toutes les boutiques qui ferment? Vous savez, toutes les boutiques qui ne sont plus louées dans les centres commerciaux, oui. Où vous voyez qu'ils sont déguisés, ou prochainement ouverture, je ne sais pas quoi. Ça se traduit là, de manière concrète, avec M. Benko. Vous vous souvenez des Evergrande René Benko. Ouais, voilà. Vous vous souvenez des Evergrande que vous citez? Oui. Société immobilière. C'est à cause en partie de Evergrande. Zhongzhi Group était touché par les faillites en série des promoteurs immobiliers. Evergrande, 327 milliards de dollars de... Oui, non, mais c'est de la folie furieuse. Mais attends, il y a des banques derrière. Bien sûr. Les banques leur ont prêté de l'argent pour acheter tout ça. Mais nous voilà revenus au début de notre émission. Exactement, là, on a fait le boucle, tiens. La boucle est bouclée. Et, point intéressant, il possédait la moitié d'un gratte-ciel iconique de New York, le Chrysler Building. Ah bah oui, Chrysler Building. Au-dessus, c'est le soleil, c'est le cas de le dire. C'est très beau, hein, c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique, voilà, mais il est vide. Oui. Le télétravail a tout tué. Oui. Alors justement, les mecs de Davos, ils ont pensé à tout, sauf que les gens ne voudront pas revenir bosser en bureau. Le Chrysler Building, moi j'y suis rentré, c'est absolument magnifique. Vous avez une entrée tout en arbre. Je l'ai vu, c'est sublime. Mais ça ne vaut pas l'aéroport de Singapour, hein, je vous le dis. C'est sublimissime. Ouais. C'est un des plus beaux endroits au monde. Voilà. Et bien sûr, ces paroles. Alors, juste une chose, pour la conclusion, parce que les spectateurs veulent savoir quel va être le ton, si je peux dire, de l'année 2024. Alors, je vais vous donner le ton. LinkedIn, vous savez le truc de professionnel, machin. LinkedIn a jeté à la rue 800 personnes. Bien. Ça veut dire que les gens ne refusent de payer maintenant les 40 euros par an. Oui. Vous voyez ? Ils refusent de payer les 40 euros par an. Et donc, du coup, c'est 800 salariés de LinkedIn qui ont été jetés. Ça veut dire qu'il y a une récession phénoménale. D'ailleurs, il y a tellement de récessions, je ne sais pas si vous pourrez lire juste les titres. La France est entrée en récession. Voilà. Spotify a licencié 1500 programmeurs. Et Dieu seul sait si Spotify, ils sont formidables. Oui. J'adore Spotify. Il y a Qboos aussi. Bref, et la TD Bank de Toronto. Alors, ça, c'est très important. Parce que les banques canadiennes, jusqu'à présent, elles ont traversé la crise de manière quand même assez tranquille. Pas l'immobilier canadien. Hein. Non, mais ça, c'est autre chose. Moi, je parle depuis 2008. Les banques canadiennes, elles ont fait le truc. Mais là, d'un seul coup, TD Bank de Toronto a jeté à la rue 3100 personnes. 3100 banquiers. Ça, c'était le 15 décembre. Le 15 décembre dernier. Donc, ça vous donne le tempo. Voilà. C'est-à-dire, ces gens, ils ont fait des prévisions. Spotify a fait des prévisions. Et ils pensent que 2024 va être en totale récession. Voilà. La restructuration devrait permettre d'économiser 400 millions avant impôt pour son exercice, blabla. Voilà, ça, c'est les gens de la TD Bank. Quant à Spotify, ils se sont séparés de 2300 ingénieurs au total. C'est le deuxième licenciement. Voilà. Et Meta et Microsoft ont chacun annoncé la suppression de 10 000 personnes. Alphabet, maison mère de Google, 12 000 et Amazon, 18 000. Voilà. Et c'était sur Radio France, Reuters et la presse au Canada. Et Radio Canadien, tiens, puisqu'on est chez nos confrères au Canada, Radio Canada a jeté à la rue 600 journalistes. Voilà. Oui. Et la Dépêche du Midi,
a enfin titré sur le drame des villes abandonnées par l'État, hein, où vous avez des milliers de boutiques abandonnées, ouais, et ainsi de suite. Voilà, donc 2024, prudence absolue, voilà, il faut être prudent. Mais surtout, il faut être informé. Et pour cette raison, bah, vous suivez la revue de presse. Vous suivez nos émissions. Vous les partagez surtout. Politique et Éco. Hein, parce que moi, je suis bien censuré quand même. Hein. Allez sur Twitter, vous rencontrerez Pierre. Allez sur Facebook, vous me rencontrerez. Et je publie tous mes articles sur Facebook. Voilà, Facebook d'Olivier Pigeon. Et rendez-vous, bah, je donnerai des conférences à Nîmes ou à Cannes, je ne sais plus. Enfin, on va afficher ça. Et nous reparlerons notamment du standard argent et de ce grand économiste hongrois. – Tiens, justement… – Il est insatiable aujourd'hui. – Oui, non, mais il y a quand même un banquier qui a fini par dire la même chose que nous, c'est Mathieu Pigasse. – Oui, en effet. – Alors, il faut lui rendre hommage. – Absolument. Hein, – Mathieu Pigasse, c'est le banquier le moins ennuyeux, c'est un banquier moderne. – Il a reconnu que la planche à billets… – Exactement. – Avait favorisé les riches. C'est dans son livre « La lumière du chaos ». Ouais. Hein, je ne savais pas qu'un banquier pouvait avoir des pensées baudelairiennes. Moi, je pensais que les banquiers, le seul truc qu'ils écrivaient, c'était des lettres commandées. Mais dans lequel il s'inquiète de l'explosion des inégalités, pointe les impasses de la mondialisation et plaide pour une reprise en main du politique sur l'économie. Voilà. Donc, c'est pas Mathieu Pigasse, vous voyez, c'est pas le même niveau que l'Odin de Lynn de Rothschild. Il s'agit d'une violente critique de la mondialisation et surtout de la planche à billets. Voilà. Voilà. Donc, il a condamné la planche à billets et les effets pervers. Venant d'un banquier, il faut le reconnaître, au moins, on a un banquier intelligent dans ce pays. – Eh bien, c'est notre conclusion. Merci. – C'est rare qu'on félicite un banquier. – Oui, merci, M. Pigasse. – Merci, monsieur Pigasse. – Vous voulez ouvrir un compte chez Pigasse ?– Oui, j'aimerais bien, oui, parce que la Société Générale, là en ce moment, là, ils sont à cran. Depuis qu'on dit du mal d'eux, ils m'en veulent. – On en reparlera. – On en reparlera. – À très bientôt, chers téléspectateurs. Merci à bientôt, Pierre. Merci à vous, Olivier. Bonne année.